Avis à la population, la force spéciale du G3 va procéder au minage du secteur RG7. Je vous rappelle les consignes de sécurité. Pas d'attroupement de plus de 2 personnes. Cessez d'emprunter les trottoirs. Ne buvez plus l'eau, radiation et rafraîchissement gratuits sont à disposition dans vos centres COP et Migros. Merci. Périmètre défini. Artificier prêt. Très bien. Équipez l'artificier. Artificier dans le périmètre. Descend dépressurisé. Prêt. Descend dépressurisé, j'attends l'ordre. Ouvrez le caisson. Mine au sol. Lâchez la mine. Mine, lâchez, mine, posez. Cernez le caisson. Capitaine Chavada, le caisson sur le véhicule. Les mines antipersonnelles. Il y a 2 ans, le traité d'Ottawa avait interdit l'usage de ces armes. Il s'agit maintenant d'améliorer la mise en œuvre de ce traité. Et la ville de Genève a décidé de donner un écho particulier à cette conférence en faisant appel à ses artistes. Chantal Panatier. La force spéciale du G3 pour Genève va procéder au minage du périmètre. Veuillez respecter les consignes de sécurité. Toute la population est mise en alerte. 20 mines sont déposées chaque jour dans les rues de la ville. Au terme de la conférence des Nations Unies, Genève sera truffée de 150 mines, selon un plan connu du G3 seul. Mais tout de suite, des images de la bâtie grâce à Anne Marsol. Nous remontons dans le temps. Nous sommes le dimanche 2 septembre, jour d'ouverture. Anne Marsol suit le G3. Trois gars qui font des performances contre les mines antipersonnelles, qui n'ont comme seule arme la mémoire. 2 septembre, 22h, le G3 débarque à Carouge pour déposer une mine de glace. Une fois fondue, elle tuera symboliquement ceux qui passaient là par hasard et ignoraient son existence. Non, c'est le lieutenant Chabada qui s'occupe de l'opération. Fixation en rapport avec les axes. En avant. Allons-y, on descend. On descend. D'accord, c'est bon. Je profite du canal d'information que me donne la télévision d'État pour dire que nous procédons, sur mandat de la ville de Genève, à la pose de 150 mines antipersonnelles. Ceci dans tous les quartiers du centre, sur une période de 15 jours. Je rappelle également les consignes de sécurité qui sont données à la population. Major, donnez-moi les consignes. En colonel. Elles seront à partir de demain affichées dans toute la ville. L'essentiel étant pas d'attroupement de plus de 2 personnes. C'est en correspondance avec une conférence sur l'installation des mines.